Salut à tous, c'est Raven 2800 et on est là sur Burnout Paradise. Ça fait méga longtemps que j'avais pas joué. Attendez, la dernière fois que je joue à Burnout Paradise. Let me see. Et je crois que c'était pour ma vidéo spéciale 1000 abonnés. Je crois. Je me rappelle plus. Si, je crois que c'était ça. Putain, et donc. Ça, que le temps passe vite. Que le temps passe vite. Alors, oula. Hop. Alors. Mon gros tank là, il peut avancer. Hop. Et j'aimerais bien voir s'il peut défoncer d'autres adversaires en fait. On va se faire un petit road rage, je pense que ça pourrait être sympa. Parce que j'aime bien moi les road rage. Par contre, le temps d'en trouver un. Le temps d'en trouver un. Alors, pourquoi il y a une tête de panda sur mon permis? Qu'est-ce qu'elle fout là? Pourquoi il y a ça? Qu'est-ce qu'elle fout là cette tête? Je ne sais pas pourquoi il y a ça. Alors, c'est peut-être pas mon permis du coup. Alors, attendez. Ouais. Ouais. Road rage, il est là. Ça me fait chier. Ah, il y en a un autre. Ah, mais il y en avait un juste là-bas. Oh, bah, j'ai juste à revenir en arrière. Allez, go. On accélère. Oh, c'est dur. Oh, pim. Voilà. Je t'en veux chier. Ça a l'air d'être une sacrée machine, quand même, cette espèce de van, là. Ah, merde. Putain d'inertie. Attraction. Alors attendez. Ah mais oui, mais du coup je suis plus sur la bonne route. Putain, ça me fait faire un détour. C'est comme... Ça me fait faire un détour. Allez hop. Non. Voilà. Bon, c'est là. Voilà. Aucun dégât. Oui, c'est vrai qu'on peut faire des demi-tours assez facilement dans le jeu. Putain, mais une vidéo à l'ancienne, clairement, ça fait vraiment plaisir de retourner sur Burnout Paradise. Moi, j'adore ce jeu. J'avais un petit peu oublié l'existence de ce jeu, mais bon. Bah non, on ne peut pas. Un tel jeu. Alors. Il date quand même de 2008, hein, si mes souvenirs sont bons. Alors, combien je dois en faire, Takedown? Allez, dis-moi. 20? Bon. Vous pouvez dès à présent parier sur ma victoire ou ma défaite. En envoyant victoire-défaite en commentaire. Non, quand même pas. Oh, on va pas pourrir la section commentaires pour si peu. Oh, bah d'accord. Eh bah, ça commence bien. Ça commence vraiment bien. J'adore. Ah, oh, c'est quoi cette gratuité là? L'autre qui fonce dessus. Eh, ouais, c'est bon, remontez-moi. Putain, j'ai ma porte. Oh, yes. Fait que j'ai rien fait. Camionnette royale. Bon. Oh, yes. Tout de suite. Attention, là, je suis dans une série. Ouh, qu'est-ce que. Ah, bim. Voilà, dégage. Dégage. Ah. Voilà. Toi, t'es mort. Alors, ce qui m'en fait 3. 3 takedown. Wow, wow. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça pique. Ah, je sais pas au bout de combien de temps je vais crever. Donc, on va reprendre la route dans le sens inverse. Alors, eux, par contre, ils ont juste leur vitesse, c'est pas moi. Non, pas là. Ah, si, plein de boost. Est-ce que c'était la peinture hein. J'ai peur. Pas regardé. Vous avouerez que j'avais pas regardé. Take down. Allez hop. Ben tiens. Il s'est oui oui. Il est pris par derrière l'autre, le petit monsieur. Oula, le bus. Non. Ah, la pauvre voiture. T'imagines toi t'es là dedans. Ah. T'es envoyé chier. Putain, je me le serais pris. J'aurais été vraiment dégoûté. L'auto repair. On va encore rester. Je pense qu'on va refaire un petit tour vite fait et on va revenir en arrière pour prendre le. J'ai trop peur de le prendre. Non, mais ils sont tout le temps juste derrière moi. Tiens. Il s'est pris deux participants dans la gueule. Allez, à toi maintenant. C'est ça qui est bon. Du bon burnout, du bon takedown. Et merde, et merde. Alors là, je vais dans l'auto-repair tout de suite, hein, je perds même pas de temps. En espérant qu'il n'est pas très très loin. Ouh, burger. Attendez. En plein takedown, le mec, tu sais. Fais voir un peu. Better head than ever. Burger King. Allez hop. J'avais envie de regarder la publicité. Oh non, la pute. Bah, eux, ils arrivent toujours avec plein de vitesse, donc c'est ça qui est dangereux avec ce que je fais. Dégâts critiques, bah oui, il va dans un garage, c'est exactement ce que je fais. Et après, il vous plante. Vite. Ah, c'est bon. Voilà, des fois il vous plante juste là. Donc en gros, bah voilà. Vous êtes mort pour rien. Enfin, vous êtes mort. Vous avez fait ça pour rien. Allez hop.
2 de suite, je sais pas combien j'en suis là, 10, putain, j'en suis qu'à la moitié. Bon, 3 de suite. Allez, ah, oh, ouh là 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 là. Nya. Tiens, on cherche pas le Raven. Bernard, c'est un de mes 3 jeux favoris, hein, pour ceux qui avaient vu ma fac, qui date aussi. C'est clairement un de mes jeux favoris avec Metal Gear et Armored Core. Armored Core, un grand grand jeu de mecha. Oh putain. Oh non, c'est moi. Et lui, genre, il a rien eu. Je l'ai balancé contre le... Putain. Et je fais une vidéo extrêmement courte. Hein. La vidéo devrait pas durer très longtemps. C'est pour ceux qui n'ont pas eu le loisir encore ou le temps d'apprécier en entier ma vidéo. Ma dernière vidéo sur... Putain, rouler trop vite. Ah oui, avec ça, on peut rouler trop vite. Donc, ma dernière vidéo sur Skyrim, où je joue 3h30. 3h30, ce qui est quand même déjà pas rien, 3h30 de vidéo. Surtout que c'est 3h30 de vidéo, mais en réalité, ça a duré beaucoup plus longtemps si vous comptez tous les temps de chargement et le petit couac qu'il y avait eu niveau sonore à un moment. Mais bon, ça, voilà. Ça faisait, je crois, plus de 4h. Ça faisait presque 4h30. Hein. Donc, imaginez, en enlevant les temps de chargement, on obtient une heure de moins. Enfin, non. En gros, j'ai dû avoir une demi-heure de moins, quand même, avec les temps de chargement. En moins. C'est quand même... Waouh. C'est énorme, les temps de chargement sur PS3, c'est pas des conneries, hein. Putain. Ah. Oh, il y a un tremplin énorme. Mais il l'a pas pris. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Je sais pas combien j'en suis, là, détecteur. Putain, je peux peut-être réussir. Ah bah, j'ai réussi. Objectif atteint. Et crois-moi que je veux aller plus loin. Allez, on va essayer de se faire une méga-série avant que le chrono tombe à zéro. Bim. Parce qu'en fait, avant certaines mises à jour du jeu, on pouvait faire... Enfin, il y avait le chrono qui continuait de monter. C'est-à-dire, vous faisiez un takedown en plus, le chrono gagnait 10 secondes. Comme tout à l'heure, je crois que ça avait mis 10 secondes, hein, donc 10 secondes, j'en sais rien. Ça gagnait un certain temps. Et donc, en fait, vous pouvez continuer vos roadrage jusqu'à vraiment la mort, quoi. Mais vu que les garages fonctionnaient également, vous aviez... je vous montrerai mon record de takedown. Je sais qu'il s'élève vraiment à beaucoup, hein. Donc bon. Alors que là, vous voyez, le temps n'augmente plus, hein. Donc là, c'est jusqu'à... Oula, il a fait un petit saut. Il a fait un petit bond. Ah merde. Ouh là là. Ouh, c'était dangereux pour moi, ça. Folie. Folie de takedown. Hop là. Après, on va se prendre une bagnole un peu plus rapide, un peu plus légère. Et on va se faire un petit mode track. Parce que j'adore ça. J'adore ça, les petits modes track. Allez, hop. En tout cas, ça fait plaisir de refaire un peu de burnout et de gagner. Gagner, mais alors là, c'est... Ah, voilà. Là, je pense qu'on peut dire que c'est une victoire totale, hein, clairement. Mais il reste encore du temps. Ouh. Alors là, il peut m'avoir. Ah, c'est bon. Ils m'ont remis dans le bon truc. Voilà. Ok, la bagnole qui a décollé, mais alors totalement. Allez, tiens, bim, mange. Et ils avaient aussi rajouté un petit bout de carte, hein, sur Burnout Paradise, suite à un DLC. Sauf que je l'avais pas acheté tout de suite, le DLC était tellement cher. Attendez, imaginez, vous avez un bout de carte, hein. Non, c'était vraiment un bout de carte, hein. 13€ à l'époque. Moi, j'ai attendu. Et il y a un moment maintenant, il y a plus d'un an, hein, 2 ans peut-être, j'en sais rien. Je m'étais acheté, il y avait un truc sur le PSN pour 20€. Ah. Voilà, pour 20€, c'est pour 20€, bah, super. Putain, c'est... Elle m'a un peu cher. Donc pour 20€, vous avez tous les DLC du jeu. Tous les DLC du jeu. Hop là. Allez. Donc c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas rien. Bon, combien je suis de takedown là? 38. 38 et il reste 3 secondes. Allez. Non. Ah, dommage. J'aurais voulu en faire 40. Le double, vous imaginez le double? Bon bah voilà, je pense que là c'est une victoire. Clairement. Voilà, grosse victoire. Donc, je voulais regarder, moi, c'était... Ah oui, les records. Voilà, 76 takedown, c'est écrit, c'est en haut à droite, là. 76 takedown. Donc, mais oui, mais ça pouvait durer à l'infini, hein. J'aurais pu en faire 600, j'en serais. Bon, j'ai dit, un truc évidemment exagéré. Mais vous pouviez en faire vraiment beaucoup, puisque le temps continuait d'augmenter. Et là, ils se sont dit, allez, on va enlever ça. Ce con, mais bon, voilà. Alors, on va pas faire une course, parce que là, non, c'est quoi, c'est une course ou une séquence cascade, je sais plus. Et j'ai le permis élite en fait, hein. Je viens de voir 94% T1. Apparemment, il manque des petits défis à la con.
Alors attendez, ah oui, et je retourne encore là, excusez-moi hein, vraiment, mais je dois voir Big Surf. Je dois voir où est-ce qu'il y a une track. Putain, la track la plus proche elle est à 20 plombes. Et le garage le plus proche il est aussi à 20 plombes. Bon bah c'est pas grave, hein. On suit la route comme ça. Allez. On va suivre la route, c'est pas grave. Je suis allé trop loin aussi avec mon road rage. Ah merde. Je suis allé là où je devrais pas être. En fait, quand vous allez là où vous devriez pas être, c'est-à-dire sur un élément du décor où vous n'êtes pas censé rouler, votre voiture est cassée tout de suite. Vous passez en petit, comme là, un petit screen et tout qui vous dit, ouais bah voilà, fini quoi, t'es mort. Puis voilà, ah oui, les toys. Hop, alors, attendez, c'est encore un peu plus loin. On va mettre le boost quand même. Allez, on va aller essayer d'aller rapidement mode track pour rapidement le finir. Et boucler cette vidéo parce que j'ai pas envie qu'elle dure une demi-heure. J'aimerais bien qu'elle dure 15-20 minutes, mais bon là je crois que ça fait déjà plus de 10 minutes, donc... Enfin j'en sais rien, je sais comme ça. Alors attendez, c'est où là? Il faut tourner là. Voilà. Alors là, je devrais arriver où? Je sais même pas. Attendez, c'est select je crois pour la carte directement, je sais plus. Je sais plus. Ouais, c'est j'arrive directement à la caisse. Hop là. Oh, le petit dérapage, le drift, la méga classe. Où est le... Putain, où est ce garage? Où est ce garage? Là-bas. Là-bas. Hop là, yeah. Le mec il rentre en marche arrière à fond dans le garage. On va se prendre... voiture. Comme ça. Je sais pas du tout quoi me prendre parce que je déteste, alors je déteste vraiment les voitures de vitesse. Voiture de vitesse, en gros, vous pouvez pas utiliser votre boost quand vous voulez. Vous l'utilisez que si la jauge est pleine. Et ensuite, ben, vous savez, c'est un système comme au vieux Burnout. Si vous enchaînez les cascades, des trucs dangereux et tout, ben vous êtes récompensé. Bref, bon, on va prendre celle-là. Je sais, je la prends tout le temps dans mes vidéos Burnout Paradise. Je sais pas combien j'ai fait de vidéos Burnout Paradise, mais en tout cas, je sais que sur le plus des trois quarts, j'ai cette bagnole. Mais bon, je l'adore. C'est mon petit coup de cœur, hein. Elle est vraiment belle. Hein. Elle est vraiment magnifique. Allez hop. Avec les dents et tout, franchement, elle est magnifique. Allez hop. On y va, allez. Hop là, contact et go. Mais c'est de l'autre côté que je dois aller. Voilà. Alors le mode track, je crois que j'ai juste allé un peu plus haut. Mais normalement je devrais tomber dessus. J'espère que c'est vrai. Bah, c'est quoi ce virage? Ah, tourne trop. Voilà. Alors, track. Et le mode track, c'est le mode le plus dur du jeu, je trouve. Il est vraiment en train. Que vous ayez... Il n'y a pas vraiment de stratégie en plus. Tu vas avec un van, avec une voiture rapide, dans les deux cas, t'as un problème. Quoi. Hop là. Allez, mode track. En plus, ma bagnole est déjà pétée, génial. Mais ça compte pas, ça, normalement. Qu'elle soit déjà pétée avant, normalement, ça compte pas. Donc là, je vois que ça fait à peu près 13 minutes. Hein, à peu près. Ok. Donc, on roule jusqu'à Wildcat Baseball Stadium, d'accord. Et ben, allez, let's go. Hop, y a pas... Ah si, maintenant, ça quitte, GPS. Et là, vous êtes poursuivis par des... Par des gentilshommes, je dirais. Ah putain, qui ont une bagnole. Qui nous défouraille. Ah allez, doucement. Doucement. Non, j'ai dit doucement. Vous pouvez leur faire des takedowns, mais c'est extrêmement dur de leur en faire. Hein. Je sais pas, voilà, regardez, vous voyez, c'est craché. C'est pas impossible, mais c'est très 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 difficile. Alors là, quand t'as des bagnoles... Ah non, je croyais que c'était des bagnoles civiles. Non, non, t'en as même pas. T'as que des bagnoles du track. Ah putain, si je gagne. Si je gagne. Allez, mais bon, on va pas y penser maintenant. Doucement. Ah non! Putain, je pensais que ça passait entre les deux. Je pensais que je serais passé tranquillement entre les deux. Absolument pas. Allez hop, sur du silver. Ouais, bah là c'est tout droit. Là on peut pas se tromper. Putain, j'ai pas de boost. Putain, donne-moi un peu de boost. Voilà. Hop là. Des fois en fait, je fais des petits coups de frein. C'est justement pour essayer de ne pas rester bloqué sur eux en fait. Parce que eux ils vous bourrent. Voilà, tiens. Meurs. Donc eux ils vous bourrent en permanence hein, clairement. Bim. Alors mon GPS me dit que c'est là. Ma foi, on va suivre le GPS. Il veut me faire passer par la ville lui. Putain, quel connard ce GPS. Ah putain. Oh alors lui il m'a pas raté. Oh lui il m'a pas raté hein. Putain. Alors attendez, là je m'inquiète déjà. Ah ils me remettent en arrière en plus, c'est couillant. Ah mais remarque si je passe par là.
Je crois que ça c'est la route par laquelle ils veulent que je passe, mais moi j'ai envie de passer. Ouais, on va. C'est dangereux si je passe par là. Hein. Ah, mais bon, ce serait le chemin sécurité. Donc on va. Putain. Fais pas ça, fais pas ça. Oh Raven, tu vas te faire planter. Alors là, il y en a un qui arrive en plein milieu. Bim! Non, 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 non! Voilà. Il faut vite que j'aille à un garage, comme ça je serai un peu plus en sécurité. Alors attendez, le garage il est où là? Hop. Oh putain, je fais n'importe quoi là. Là je commence à passer. Non non non. Oh, la bagnole quand elle se plante comme ça, c'est vraiment très chiant. Mais bon, ça arrive. Alors c'est la prochaine. Là. Prochaine ici. Hop là. Oh putain, j'essaie de pas. Oh là là là. Non 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 non. Laissez, foutez-moi la paix. Bon, maintenant. Moi je prends un chemin plus long. Mais plus. Enfin, je sais pas, je me sens mieux sur ce chemin. Putain, faudrait que je revienne en arrière là. Je reviens en arrière, je prends. Regardez, je reviens en arrière là et je fais ça. Ouais, le mode track, à la fin du jeu, c'est ça, de toute façon. Tu fais ton parcours. Aïe! Et bah, voyons que j'ai eu de la chance qu'il m'ait pas défoncé. Putain! Il lâche rien! Il lâche rien, les putains! Bah, tant pis, je passe par là. Ouais, on va passer par là et puis. Arrgh! Putain, foutez-moi la paix, bande de connards! On va. Ouais, putain. Si, si, par là, ça passe. Ça passe! Allez, allez, en plus, il y a un Reaper, je crois. Mais bon, ils m'ont pas fait trop de dégâts. Parfois, ils vous font assez de dégâts, malgré que vous vous crachez pas, pour vraiment. Oh putain. Ouh! Pour assez endommager votre voiture. Donc, des fois. Enfin, le finish, on va dire, c'est un crash. Mais vous pouvez vous cracher qu'une seule fois, votre voiture, elle est finie, quoi. Oh yes! Oh yes! Oh, alors, c'est qui le BG? Hein, c'est qui? C'est Ravenou! Yeah! Bouillah! Oh, regarde le derrière là. Non, je ne l'ai pas eu! Eh ouais, je suis trop fort pour toi. Et puis, je vois que là, ça fait 17 minutes. J'avais vraiment envie d'arrêter la vidéo, mais on va faire une petite course rapide. Là, j'envoie une juste là-bas. Et puis, comme ça, on pourra terminer cette vidéo. Et j'espère que vous appréciez. Allez hop! C'est parti. Ça, c'est du bonus, hein, du pur bonus, hein. Course bonus. Attention. Parce que là, j'ai tout gagné. J'ai gagné les deux, mais bon, comme on dit, j'avais 203. Peut-être pas pour les victoires, mais au moins pour la compétition. Allez hop. Alors attendez, alors là par contre j'ai horreur des courses dans Paradise parce que c'est pas un circuit. Donc tu te paumes tout le temps. Ok. Bon. Tu te paumes tout le temps. Alors attends, par où il passe? Bon. Ah, il passe par là. Putain. Faut moins que j'utilise le frein à main. Le mec pour... le mec pour freiner. Ah. Un petit... Il se sépare. Ah, j'adore cette musique. Bon bref, c'est... Alors, on va passer par là. Ouais, si par là c'est le mieux. Toi, toi là qui a bien freiné. Allez, un peu d'aspiration. Voilà. Allez hop. Non. Oh, putain de voiture, qu'est-ce qu'elle avait à... Qu'est-ce qu'elle... Putain, je suis énervé. Ah, il y en a qui se crache là-bas. Hop là. Il faut que je fasse confiance à mon GPS. Je n'ai pas confiance en ces engins. Là, il faudrait que je tourne. Ah, pff, oh là là, mais sérieux, c'est quoi ce freinage, Raven? Mon Dieu, grand Dieu. Oh non, quatrième. Non, non, je peux pas me le permettre. Allez, roule sur un contresens. On va peut-être essayer d'en rattraper un. Au moins être sur le podium. Oh, mieux que le podium. Oh, oh yes. Oh, deuxième. Deuxième quand même, je les ai bien rattrapés sur la fin, dommage. Ouais, t'as perdu deuxième. Pff, pas de médaille d'argent pour le Raven. Et bien voilà les amis, c'était la petite course bonus qui n'a pas duré trop longtemps, donc c'est va, ça va, c'est parfait, c'est parfait. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez une autre petite vidéo de Burnout Paradise d'une vingtaine de minutes, hein, comme là, pourquoi pas, hein, dites-le moi. Si vous voulez voir par exemple, je sais pas moi, Big Surf Island, voir les véhicules Toys, les motos, toutes ces conneries, dites-le moi en tout cas. Une vidéo à l'ancienne clairement. Donc voilà, allez, en espérant que vous ayez apprécié cette vidéo, je vous dis à très bientôt et bah d'ici là portez-vous bien. Allez, salut. Oh. Attention le Raven, il a perdu ses freins. Ah, ah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh, pas de crash, pas de crash, pas de crash.